C'est bon, ça tourne là? Tu tombes? Oui, c'est bon. Ok, et les gars, vous êtes filmés, donc souriez. C'est la même caméra que la dernière fois, ça? Ouais. T'as rien à faire. Son seul but, en fait, ici, c'est de nous emmerder. Et laisse mon cousin tranquille, s'il te plaît. Vas-y, toi et ton cousin. Là, ton cousin avec sa caméra, là. Filme là-bas, s'il te plaît. Là, arrête de me filmer. Eh, les gars. Mon oncle, il est bien gentil de prêter le local. T'as fait quoi? Ouais, mais on est obligé pour la caméra. C'est rien, vous avez l'habitude, c'est bon. Je crois que j'ai l'habitude, hein. Je crois que je suis. Mais il y a une différence entre avoir l'habitude d'être là. Mon oncle, il prête le local, ok. Il entrepose ses vélos, pas de galère. Mais il nettoyait ce que vous. C'est tout le temps moi, de toute façon, avec vous. De toute façon, voilà quoi. Filme là-bas, s'il te plaît, voilà, pour de vrai. T'as pris des photos avec ton truc ou pas? Non, que des vidéos. Que des vidéos. Ah, c'est vraiment en Belgique, c'est vraiment moins cher, rien à voir. On va aller en Belgique. Pour la baguette, ouais. Non, je prends une Belgique. C'est 1,80. 1,77 exactement. Oh, la fille de ma mère, Leclerc, c'est des arnaqueurs. C'est bon? Bon, la pompe. Jamais, il est un peu en retard sur le sujet. La pompe, tu remplis, elle remplit pas. Voilà, 1€ l'essence. Là, déjà, t'as une voiture? Non, normalement, les filles, elles arrivent. T'achètes une voiture, t'as les moyens d'assumer. Bah ouais, sinon tu prends le temps. Et le retard, ça va? Ça va, les gars. T'es là à la Fashion Week? Ah ouais, je suis bien. Ça va, Maria? Ça va, et toi? Pourquoi tu mens? Tant d'hypocrisie. Mais là, l'actualité. Non, c'est chaud là, ce qui se passe. Ouais, j'avoue. J'ai vu sur Twitter en plus. Parce qu'on parle que de la guerre. Ça a l'air de tuer. Ça a l'air de tuer. Sur la tête de homme, t'as déjà fait du laser game? Ouais. Mais lui, c'est pareil. Non, mais la guerre. Il y a la guerre. De toute façon, la guerre, ça concerne ceux qui vont au front. J'y vais. Moi, j'y vais pas. Toi, tu vas à la guerre. Ouais, armé comme l'URSS. Pareil, tu fais quoi, toi? Déjà, pour moi, la guerre, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Surtout en Occident, non. Moi, je peux pas croire que la France, demain, elle sera bombardée partout, c'est pas possible. C'est chaud. Hein. Après, c'est quoi les phrases? Bah, je sais pas. Moi, non. Non, direct, même pas réfléchi. Non, j'y vais pas, j'irai pas, enfin, je m'engagerai pas. Et bah, après, je peux encore soigner les soldats si tu veux, mais sinon, j'irai pas. Soigner les soldats? Ça s'appelle des gens logiques, ça. Ta grand-mère? Ma grand-mère, ouais, pendant la guerre d'Algérie, parfois, elle soignait les soldats, tout ça, et m'a amusé que c'était pas. Enfin, c'était un cauchemar quand même, mais c'était pas plus mal. Au moins, elle a apporté quelque chose à la guerre, tu vois. Ouais. Moi, pareil. Moi, si j'y vais... Enfin, en tout cas, c'est sûr, j'y vais. Il n'y a pas de si j'y vais. J'irai, parce que je ne vais pas rester là à rien faire, là, comme certains. Moi, j'y vais. Moi, j'y vais. Et je me rendrai utile à ma manière, c'est tout. Non, pareil. Ce serait quoi, ta manière? Ma manière? Moi, je vais aller faire de la résistance. Résistance contre ton pays? Comme qui? Contre ton pays? Mais non, bah, contre l'État. Ça dépend de la guerre, mais ça dépend de la guerre. Ça dépend de la guerre. Oh, mais ouais, je sais, vous êtes trop dans les trucs en Lyon. En Lyon, tu vas faire la guerre, tu prends des armes et tu tires. Oui, non, mais sérieux. Le problème, c'est que toi, tu vas t'engager, tu vas te battre, hein, comme tout le monde. Mais après, il va se passer quoi? Tu auras des traumatismes. Et tes traumatismes, tu pourras les donner à tes enfants, tes arrière-enfants, et encore les enfants de tes enfants et tes enfants. Les temps forts pour des hommes forts. Non, les temps bien pour des hommes forts. C'est la phase d'Instagram du boxeur là. Ouais. Soyez sérieux. Ah, non, mais c'est pour ça, mais il a raison. Mais non. Oh. Ça, tu fais quoi? Non, j'y vais. Hein. Tu vas? Si la France elle donne moi. Je vais faire quoi? Je vais arrêter. Tu vois, En plus, il a d'accord. Il a un air de ressemblance, tu vois, avec un peu des sortes de pétins. Bizarre. Etc. Oh. Il est mal. C'est qui pétin? Est-ce que tu vas aller faire la guerre? Pour la France, si la France elle va bombarder un pays gratuitement juste pour ses intérêts personnels. Mais déjà. Est-ce que tu y vas? La vraie question c'est est-ce que tu ferais la guerre pour la France, Touko? Juste ouais, pour mais la moi France. Je fais ça non, je fais la guerre que pour moi. Moi et uniquement moi. C'est vrai que le patriotisme, quand même, c'est une grande idée creuse. Il y a des gens qui essaient de faire croire que c'est un contenant plein de sens, mais en fait ça contient des mots abstraits, liberté, égalité, fraternité. Ils te disent que c'est les valeurs pour lesquelles tu dois te sacrifier et te battre sur le front, revenir des traumatismes. On n'y croit pas toujours. Est-ce que vous arrivez à imaginer une mère qui se dit aimante, qui demande à ses enfants d'aller combattre pour le voisin d'à côté parce que le voisin a un ennemi quelque part et les enfants ils risquent de perdre gros si ça se trouve, ils vont être traumatisés par quelque chose, ils vont se faire mordre par le chien de l'autre voisin et ça la mère elle justifierait ça parce que ah oui bah en fait le voisin est bon, on a fait un drama, ils envoient tout le monde à la guerre, c'est patriotisme, au moins on leur règle moins de problèmes parce qu'on est concentré sur la guerre et eux ils sont bien cachés chez eux, t'inquiète même pas, ils sortent pas pour la guerre. Voilà, tu crois un président il va envoyer son fils au front? Mais il va juste lui donner un billet, tiens, va te cacher dans un pays où il n'y a pas de guerre. Mais tout le monde va se mobiliser en temps de guerre.
Enfin, tout le monde. Tout le monde va servir à quelque chose. Bah, tout le monde va servir à quelque chose. Ils cachent leur argent dans d'autres pays, tu crois, pour leur vie, ils vont pas aller se cacher dans un autre pays? Mais ça, c'est pas que des. Allez, ça, ouais, tu vas pas rester là, rien. Ouais, vous êtes pas armés comme l'URSS, ou mais quoi? Mais sérieusement? Non, mais... moi j'aime éclater en France. Parce que la France, elle fait partie des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire c'est eux qui ont la bombe nucléaire, c'est eux qui ont tout mis comme ils voulaient. C'est-à-dire là, c'est eux les boss. Mais entre eux, ils peuvent s'attaquer. C'est sûr qu'en général, ils attaquent des petits pays d'Afrique, des petits pays arabes ou indiens. T'as eu des pays faibles qu'ils n'ont pas. Ils font ça, les Européens et tout. Il a raison sur le fait qu'on croit souvent qu'il n'y a plus de guerre dans ce monde, mais on ne veut jamais voir les guerres qui sont responsables de notre paix. On nous fait croire qu'en fait, on vit dans un monde bisounours, mais chez qui proviennent nos minerais pour les iPhones, les batteries, etc. Tous nos privilèges d'Occident viennent de pays du Sud. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Comment t'as dit, la guerre, j'y vais, hein. Je vais pas rester là chez moi. Même, c'est un devoir, genre. C'est comme le vote. Le vote. Ouais. Genre, c'est un dernier recours. Par exemple, là, on est dans une démocratie, tout le monde est d'accord. Même toi, t'es d'accord, on est dans une démocratie. Si faut voter, c'est le dernier recours. C'est ça qui va nous permettre un peu d'éviter. Tu peux ne pas se sentir représenté par tous les candidats qui se présentent à l'élection présidentielle. Enfin, il y a certaines élections, franchement, tu te poses, tu dis, mais je vais voter pour qui? Il y a personne qui me représente, il y a personne qui va mettre en place ce que j'ai envie. L'un des dangers, aussi, il faut quand même, je pense que le vote est quand même un petit peu important, même si la place du vote n'est pas centrale dans la citoyenneté. Il faudrait que les gens comprennent que ce n'est pas juste en votant qu'ils pourront faire quelque chose de politique. C'est ton avis à toi. Tu peux voter blanc en plus déjà. C'est un choix, mais ça reste un choix quand même. Si demain tout le monde vote blanc, ils vont dire quoi? Ah non, ça compte pas aller voter pour ceux qui sont en liste. Et si personne vote? Si personne vote, ils vont se poser une question, mais ils pourront pas dire « Ah, le vote blanc, ça compte pas. Là, on n'a pas voté parce qu'on voulait pas être représenté par ces gens-là. » Je suis pas d'accord avec lui. Voter, ça fait partie de la France. Et pour voter... Voilà, le devoir du citoyen. Mais c'est un devoir et pas d'un. Après, voilà, c'est pas un problème. Jamais moi. Donc, ça va faire un truc bizarre. Je vous présente Jamal. Comment il s'appelle? Vladimiro Jamal. Vous serez bien avec moi au pouvoir. Hein. Tout le monde y sera bien sauf nos ennemis. Ce qui sera à peu près toute la planète, mais mon peuple y sera bien. Ma descendance aussi, elle sera très 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 bien. T'inquiète même pas, ils vont prendre le pouvoir. Hein? Ouais, si tu veux, je t'adopte. Comme ça, t'as le pouvoir l'année prochaine. Attendez. Jamal, c'est quoi? Regarde. On prend ton cas, ok? Ouais. Sérieux, ok? Contexte, là, dehors, il y a un dictateur qui prend le pouvoir. Il y a un mec, il dit c'est moi qui contrôle tout, ok? Il prend le pouvoir. Dehors, il y a l'armée. L'armée, elle obéit au dictateur. On fait quoi? On fait quoi? On peut pas sortir pour aller acheter à manger. Les rues, elles sont vides. Il y a quelques groupes de résistants qui se sont créés, ok, par-ci, par-là. Mais on peut pas sortir, on peut pas aller chercher à manger. Tout est pillé. On peut pas sortir parce qu'il n'y a plus de transport, les frontières elles sont fermées, c'est la guerre. Et là, on se réfugie ici dans ce bunker. Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Tu veux pas les clés? Tu veux les clés? Non. Comment ça va les clés? Non. Ça fait un mois on est ici. Vas-y, va là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Pourquoi tu fais le Batman? Il y a encore des gens. Ouais, ça fait un mois on est enfermé dans un truc, ça fait un mois je me réveille, je vois vos têtes tous les matins, je m'endors, je vois vos têtes. Je veux sortir moi, ça y est, je reste pas ici. Tu vas en haut. Je vais faire la même chose qu'ici. Je vais survivre mais en plein air. On peut pas rester un mois comme ça ici, après deux mois, trois mois. Faut sortir, on est obligé de toute façon. Soit on rentre ici, soit on crève dehors. Qu'est-ce que t'en sais? On est sorti depuis un mois, comment tu sais que c'est pillé tout dehors? Il y a un militaire juste devant la porte, tu vas te faire buter, tu cherches quoi là? On n'est pas sorti. Qu'est-ce que tu cherches? Regarde, je vais faire crever dehors, ça y est. Ça vous saoule pas? Un mois, on dort comme. On dirait qu'on est à Porte de la Chapelle, on dort tous là enfermés ici, on est tous à côté. On est tous dans le même cas. Ça pue, on est enfermés, voilà. Il y a des gens dehors. N'importe quoi. Comment tu vas aller comment? Vous croyez que je suis un endormi ou quoi? Pourquoi vous m'encerclez les armes? Vous croyez que vous allez me sauter? Non mais c'est rien. T'es pas armé, rien, y'a nada. Comment? Moi j'ai tout ce qu'il faut, t'inquiète même pas pour moi. Mais c'est quoi ça? Tu sors pas de l'air? Moi j'ai tout ce qu'il faut. T'es une chambre? Prends-le. Vas-y, voilà. On ne te laissera pas sortir. Jamais moi je te laisse sortir. Jamais. Comment vous allez me laisser sortir? D'où dingue. Moi je te désarme. Moi j'ai lui là enfermé en direct. Ouais, j'avoue aussi.
On l'enferme là, là, bien au fond. T'en fais pas, c'est lui. Pas de problème. Je plus aucun souci. Vous êtes pour le commissariat ou quoi? Je prends les vélos, les attache comme on va les attacher avec le truc du vélo. T'es mort. Tu sors plus. Tiens, jamais on va te laisser sortir, t'es un ouf. La vérité. Tombe pas la clé, tombe. Ouvre, ouvre. Pourquoi t'as tout ça fermé? Ah, vous avez décidé de m'enfermer juste parce que je suis pas d'accord avec vous. Ouf, tu peux pas. Tu sortiras pas pour le moment. Comment? Viens, on se bat. Ils t'écoutent même pas. Ils s'en foutent. Faut que tu te calmes. Ils pensent même pas à nous, tu vois pas? Ils m'ont enfermé. Qui te dit que t'es pas la prochaine? On est plus en sortie, ok. Mais c'est pas le moment. Voilà. Il y a trop d'enjeux. On la porte. Okay. Ça me fait pas plaisir. Ils t'écoutent même pas. C'est pas possible. Voilà, je voulais sortir, ils m'écoutent pas. Quand tu leur dis des conseils, ils t'écoutent pas. Viens, on sort, on se bat. Je te prends avec moi, on se bat. Un moment, on verra, mais. Ah, donc vous êtes comme ça. Non, tu calmes pour le moment. Ok, je retiens. Donc vous êtes ce genre de pote, hein. Quand on n'est pas d'accord avec vous, vous enfermez les gens. Ah, c'est pas vous qui me parlez de moi? Oui, c'est. Ouvrez-moi. Ouvrez-moi. Laissez-moi sortir. Mais dès qu'on l'a enfermé, on revient ici et imaginons. Imaginons, il nous reste une petite conserve pour manger. On fait pas. Ah, moi je la prends pour moi. Mais ça va pas la tête. Merci. Les gars, ça commence à devenir compliqué. Il ne reste plus que ça. C'est tout? C'est quoi ça? C'est ça maintenant qu'on s'en rend compte. Du maïs et du thym. C'est bien. On y va? Bah déjà ça je peux vous le laisser pour vous, comme ça vous le partagez ça. En plus là on est 7 avec Jamel. Mais Jamel on compte même plus, qu'est-ce que tu me racontes? Il a voulu tous nous buter. Au pire je peux essayer de sortir et chercher à manger. Hein. Non. À pied? Non. Ah, c'est pas moi qui propose de sortir d'un coup là ça écoute hein. Je veux pas te taire un peu là, t'as pas compris que t'étais loin. On a déjà on est sorti plusieurs fois, on a déjà vu qu'il y avait plus rien dans les magasins. Tout a été pillé, c'est pas vrai, parce que là. Ouais, la dernière fois on est sorti justement, on est sorti juste dans les alentours, il y avait absolument rien. Nada, une ville déserte. Alors que si on va à quelques kilomètres juste après, on peut trouver des trucs. Non, c'est trop dangereux, Vous entendez ce qui se passe? On entend ce qui se passe. Et en plus, Jamel il a dit qu'il avait un plan. On peut lui faire confiance. Tenter. Hein. Ah non, tu veux faire confiance à Jamel? Pourquoi pas? Non. Avec Jamel. Tester, ouais. C'est pas parce que depuis le début c'est un gros boulet d'après vous, mais on peut lui faire confiance au moins une fois. Il a faim lui aussi. Après, lui, il va fuir, se faire capturer et nous dénoncer. On va pas aller loin non plus, on est pas dans le monde. Mais c'est bon, on a compris. On peut pas lui faire confiance. Non. Moi, je peux lui faire confiance. Je suis sûr qu'il peut trouver. On peut tenter, c'est 60. Vous voulez aller tenter là, les frères Gémarais? Vous êtes sûr? Vous prenez la responsabilité là? Moi, j'ai trop faim, moi, je peux pas rester comme ça. On va pas rester ici à cru. Bah ouais. Écoutez les filles, allez lui parler, mais moi je pense pas que ça soit la bonne solution. Moi j'en suis sûre. Ça peut marcher. Quitte à enfermer Jamel, de toute façon autant l'utiliser. De toute façon il va pas rester tranquille, hein. Il va pas rester tranquille là. Ça risque de finir comme dans les gardaves. Je vais crier, chanter des chansons, taper. Il va le refuser. Qui s'occupe de Jamel si jamais il fait truc? Ah non, c'est les filles. Ah, moi j'ai pas de patience. Hein. Jamais de la vie, c'est les filles, direct. Alors, vous regrettez de m'avoir enfermé? Je vous ai manqué? Ça va? Ça passe bien ici? Bah, à vous de me le dire. On veut seulement savoir ton plan. Et si je nous le dis, tu peux sortir. Je peux sortir parce que personne d'autre ne veut essayer de mettre en place mon plan. Moi aussi, t'inquiète pas, Ayum, il est sur le coup. Ce qu'on va faire, c'est que tu nous dis le plan. Enfin, tu nous expliques le plan si tu veux, même dehors. Mais en retour, on veut la garantie que tu sois ici, avec nous. Tu reviens avec la nourriture. Si on vient là, c'est qu'on te fait confiance. Hein. Personne voulait venir. Hein. C'est nous, on a négocié pour venir ici, pour te parler. Mais moi, à quel moment j'ai fait quelque chose à votre rencontre? L'arme. L'arme? J'ai caché une arme. Mais est-ce que je vous ai agressé? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Mais quand alors même que vous m'avez entouré, vous m'avez tous sauté dessus, vous m'avez pris l'arme, vous m'avez enfermé. Bah excuse-moi de tenir à notre vie, wesh. Alors que de base... J'ai sorti l'arme de nulle part. J'ai pas sorti l'arme, je l'ai montré, j'ai braqué personne. Mais et alors, précaution de sécurité, ça fait... D'enfermer ses amis par sécurité parce qu'ils veulent pas... On est en guerre, on voit une arme, bien sûr qu'on a peur. Si vous m'ouvrez, je veux bien participer à votre petite escapade suicide. Je veux bien aller chercher les choses avec vous.
Je veux bien même les ramener ici. Je vous promets pas qu'une fois que je serai revenu ici, je réessayerai pas de m'enfuir. Là, ce qu'on veut réellement, c'est que tu puisses nous ramener la nourriture, sain et sauf. Et c'est tout. Je peux vous ramener la nourriture. Je veux pas que tu nous fasses un coup de bâtard. Non, mais on je ferai pas de coup de pute. En fait. Je reviendrai. Tu le promets? Je promets. Donc on te laisse sortir? Ouais. Vous pouvez me laisser sortir, vous inquiétez pas. On a ta liberté entre nos mains. Hein. Et moi, j'ai votre vie entre les miennes. Oublie pas qu'on peut te mettre dedans, monsieur. N'oubliez pas que je fais des mauvais de faim. C'est du bien, c'est vrai. Après toi. Eh, mais tu fais ce qu'on te dit, hein. Vous inquiétez pas. Enfin, je fais ce que Ayou me dira, pas vous. Bah, prenez bien vos tours, les enfants. Ah, mais sérieux, là, c'est pour rigoler, on a besoin de moi, on m'a dit. Mais Jamel, on est sérieux, là, c'est sérieux. On peut te faire confiance? Vous pouvez me faire confiance, à vous de voir, après. C'est une... Là, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour toi. Les filles, ça s'est bien passé? Ouais. Vous êtes sûre? Tranquille, franchement, on a parlé et tout, c'est d'accord. Elle a dit qu'on a un endroit, la nourriture et des soins. Et tu vas où? Bah, c'est bon, vous êtes sûr, vous avez dit non? Maintenant? C'est bon, viens. On va pas avoir plus de temps. Eh ben, il y avait un jeune. Ah, mais c'est sérieux, jamais. Regarde-moi dans les yeux, je te fais confiance. Hein. T'inquiète. T'as qu'une barre alors? Tu me dis droit dans les yeux? Non. Ah, je te fais confiance? Ok. Bon. On va regarder les casseroles, on arrive vite. Ça va aller, Jamel, ça va aller. Pose-le au fond, vite. Ça va aller, Jamel. Reste avec nous. Jamel. J'ai ramené à manger, hein. Je suis revenu. Reste avec nous, Jamel. Jamel. Allô. Jamel, ne quitte pas. Reste avec nous. Jamel. Je suis là pour sortir à chercher à manger pour vous. À la fin, je meurs comme un chien en bas là-bas. Bon, au moins, tu crèveras pour la France, hein. Je vais crever pour vous, ouais, pour vous. Bah pour ce sera pour nous. Parce que vous crevez la dalle, je vais crever, c'est pas pareil. En parlant de ça, où la graille? J'ai faim. T'as faim? Ah, franchement, là, on a perdu un zouave là, pour rien. J'avoue, moi aussi, j'ai faim. Je t'ai voir, je sais pas, on se pose. Tu vas en kebab? Ouais. Let's go? Ah, ouais, je vois. À la limite, ça commence. Eh, de toute façon, on sera jamais d'accord. On va en faire un. Oui, bizarre. Non, chinois. Ouais, on verra sur le chemin, ok? Bon, allez. Bon, coupe ta caméra, toi. Laisse-le. Non, mais là, c'est bon. Je l'avais oublié, celui-là. Je te jure, allez, c'est bon, arrête avec tes plans, là. Tu vas manger ou quoi? Tu veux? Bon, allez-y, je ferme derrière. Vas-y. T'inquiète, on n'a pas pris de vélo. On va galérer à faire ça, mais non, vas-y, on ne peut pas manger un kebab. Je ne veux pas manger un kebab. Moi, je veux manger du jamel. Non. Non, il faut que ça marche.